serai pas le premier, je serai pas le dernier à critiquer la société et ses pantins articulés, si soigneusement manipulés. Ce soir j'ai vu à la télé un chanteur un temps oublié, mais dont les textes étaient censés, un genre de chanteur engagé. J'ai bien compris son petit message et j'adhère à sa politique. Moi non plus je ne suis pas sadique, donc je dis merde aux conventions. Je mettrai pas ton habit de pingouin pour vendre des tas de trucs bidons. Je veux quitter le club des cons, mais bon, faudrait quitter la terre. Et je boude ta technologie, parce que tout le fric que tu balances, si tu le filais au sans logis, y aurait moins de misère en France. Oui, j'échange mon portable, mon PC, mon GPS contre des maisons acceptables pour abriter les SDF. Je veux virer le MEDEF à grands coups de pied dans les fesses. Je n'ai pas connu de patron qui ne soit pas vraiment con. Mais alors, patron des patrons, sa concurrence, le roi des cons. Si avec classement des bouffons, tu briguerais la pole position. Y'a tellement de trucs qui tournent pas rond, c'est à se demander où le monde va-t-on. Et tellement de fausses notes dans l'évolution, je me demande où le monde va-t-on. Forcé de constater que je suis né sur la petite terre, ceux qui la détruisent et la salissent sont donc mes congénères. Est-ce la mauvaise foi ou la haine qui détruit le plus la terre? Comment vouloir une fin heureuse quand l'homme a asséché la mer, qu'il a fait fondre les glaciers, excité l'effet de serre, qu'il a rasé les forêts pour y construire des tours de verre? Maintenant j'attends l'apocalypse, y'a de la revanche dans l'air pour mère nature. Fallait pas lui faire injure, ah non, ça c'est sûr. Car sur le coin de la figure, elle rend les coups même les plus durs. Et finalement, petit homme, ce sera bien fait pour ta pomme. Après deux, trois ouragans, l'éruption de quelques volcans, les rats de marée de l'océan emporteront ces braves gens. Y'a tellement de trucs qui tournent pas rond, c'est à se demander où le monde va-t-on. Et tellement de fausses notes dans l'évolution, je me demande où le monde va-t-on.